Bien. Ceci dit, nous pouvons passer au nom de personnes qui, elles, sont très bien représentées, et notamment dans le domaine des fleurs. Ça peut vous sembler bizarre, mais en fait, chaque fois qu'on veut honorer un savant, et pas nécessairement un savant spécialisé en plantes, n'est-ce pas, on lui donne un nom de fleur. Et c'est très joli d'ailleurs. Alors bien sûr, puisque j'ai dit qu'on axerait autant que possible sur la Belgique, vous avez deux noms qui nous viennent. Un qui est très très vilain. Je ne sais pas d'ailleurs à quoi ressemble cette fleur, le Keteleria. Ça vient d'un certain Keteler. Ce n'est vraiment pas très joli. Enfin bon. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que le Keteleria? Moi, jamais. Jamais. Mais par contre, il y en a un qui est très célèbre, c'est Redouté. Je n'ai pas besoin de vous dire que Redouté a fait de sublimes dessins et aquarelles représentant notamment des roses. Les Français l'ont incorporé, n'empêche que c'est un Belge 100%. Hein? Eh bien, la Redoutée est une de ces plantes qui porte son nom. Et alors, parmi les plus célèbres, bien sûr, pour les Proustiens, c'est évidemment le Cattleya. Il vient de Cattleya. Et le Cattleya, vous savez, je suppose, désigne tout autre chose sous la plume de Marcel Proust, puisque faire Cattleya, c'est faire ce à quoi je pense, mais que la décence m'empêche de penser. Alors, il n'y a pas évidemment que des fleurs, mais dans les noms. J'ai cité, par exemple, déjà M. Guillotin. Et là, je vous ai dit, on prétend que c'est lui qui a inventé la guillotine. C'est absolument faux. La guillotine est une invention italienne qui remonte au XVIe siècle. Et nous le savons. Parce que Stendhal, vous savez, qui était dingue d'Italie, a écrit des chroniques italiennes. Ce sont des histoires sur histoires assez courtes, de sorte de nouvelles, mais sur des événements historiques. Et dans ces nouvelles italiennes, il a écrit des Cenci. Histoire horrible, mais horrible. On ne peut pas imaginer pire. C'est un père épouvantable, mais c'est un grand seigneur qui viole sa fille, qui a une quinzaine d'années. La mère et la fille décident de tuer M. Cenci. Bon, il y a 450 façons de tuer les gens. Elle trouve la plus spectaculaire. Elle lui enfonce un clou dans l'œil jusqu'à ce qu'il arrive au cerveau. On ne peut pas imaginer pire. Eh bien, elles vont passer à la guillotine. Avant la lettre, puisque ça ne s'appelait pas comme ça. M. Guillotin n'était pas encore là. Alors, qu'est-ce que c'est que Guillotin ? Un Guillotin, c'est un monsieur qui était un médecin et qui, figurez-vous, on dit aussi une autre bêtise. On dit qu'il voulait utiliser un procédé qui était moins pire, si j'ose dire, que les autres. C'est pas vrai non plus. Bien sûr, la guillotine, en principe, tue d'un coup sec. Encore que, il y avait des flots de sang. Donc, quand j'emploie l'adjectif sec, ce n'est pas très heureux. Mais, ce que voulait surtout Guillotin, c'était une égalité de traitement. Parce que, selon que vous étiez puissant ou misérable, vous aviez droit à la pendaison ou autre chose, à la décapitation, etc., etc. Les nobles, vraiment, faisaient tout pour ne pas être pendus, par exemple, parce que ça, c'était le châtiment réservé aux pauvres. Donc, ce que Guillotin a voulu d'abord et avant tout, c'est une égalité de traitement. Le pire de l'histoire, c'est qu'il a failli périr guillotiné. Mais, vous savez, la terreur portait bien son nom. Alors, pour parler de choses un peu moins sinistres, parlons un peu de nourriture. Et là, vous savez, il faut aussi continuer, le français se caractérisant surtout
par son appétit. Vous avez le hachis parmentier, par exemple, en référence à l'homme qui a imposé la pomme de terre. Vous avez la sauce béchamel. Et je ne résiste pas à vous parler aussi de la sauce béarnaise. Parce que la sauce béarnaise, figurez-vous, n'a pas du tout été inventée dans le Béarn. Elle a été inventée à Saint-Germain-en-Laye, dans un pavillon qui existe toujours, et je peux vous en parler très savamment, parce qu'il y a 15 jours, j'y ai mangé remarquablement, et je vous le conseille vivement, dans ce lieu hyper loupé, on paye le repas du midi, 35 euros, ce qui me semble vraiment très bon marché, avec un service magnifique. Eh bien, figurez-vous que c'est là qu'on a inventé une sauce. Mais comme on est dans le pavillon Henri IV, et que Henri IV est béarnais, eh bien, fatalement, le cuisinier, qui je pense était escoffier, a donné à cette sauce le nom de sauce béarnaise, puisqu'il rendait ainsi hommage à Henri IV.